Je m'appelle Jesse, je suis charpentier depuis pas si longtemps que ça, depuis j'ai eu mon diplôme en 2014, donc ça fait 7 ans. Et ça fait 3-4 ans vraiment que je fais vraiment des chantiers participatifs et que je me suis vraiment à fond engagé là-dedans. Mais donc moi je m'oriente dans la charpente traditionnelle, et donc principalement en chêne, en châtaignier, en peuplier, ça m'arrive d'en utiliser aussi. Et avec des outils à main parce que je fais des chantiers participatifs. Une charpente, c'est ce qui définit la forme d'une toiture et ce qui la soutient. Voilà, la définition, c'est ça. Moi, j'ai appris ça chez les compagnons, tout le trait de charpente, en fait, la géométrie descriptive, tous les plans, les épures, les tracés, tout ça. Et en fait, le côté vraiment traditionnel, parce que moi j'utilise du bois équarrie ou du bois de récup, parce que j'essaye d'éviter, en fait, de plus en plus là, j'essaye de me passer des scieries. Hein, même si j'utilise du bois, j'ai pas envie de tuer des arbres pour bosser, quoi. Parce que bah, c'est ça, on coupe des arbres. Moi je dis vraiment clairement, je tue des arbres pour travailler si je passe par une scierie. Et donc moi ça me plaît pas, j'ai vraiment pas envie de ça, quoi. Les arbres c'est fait pour vivre, c'est pour qu'il y ait des animaux dedans, pour que ça crée de l'oxygène et tout ça, bon, c'est des êtres vivants, quoi. Okay. Dégauchir, c'est mettre deux réglés dans le même plan. Ouais, c'est créer un plan. Et ben là, du coup, on peut attacher. Ouais, on peut attaquer là. Ouais, les deux sont bons. Tac, tac, tout ça, c'est bon. Donc, on commence par ça. Ouais. On commence par les épaulements là. Ouais. Avec une si petite que ça, la jaune, elle est bien. Elle est bien, elle est toute neuve. Et ensuite, pour le sauter. Alors, pour le faire sauter, tu regardes. Là, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il y a un nœud là. Ouais. Et il y a. Bon. Pourquoi tu n'utilises pas une scie circulaire là? Pourquoi j'utilise pas une scie circulaire? Ouais, c'est trop rapide la scie circulaire. Non, c'est parce que déjà c'est beaucoup plus lourd. Ça fait plein de bruit, ça fait plein de copeaux. Parce que ça fait pas travailler le corps du tout de la même façon. C'est-à-dire que là, j'ai essayé plusieurs positions. Parce que on est vraiment obligé de se poser la question de son emplacement par rapport à l'outil, de la position, des gestes et tout ça, de comment le corps il fonctionne vraiment, pour arriver à trouver la position la plus confortable, le geste le plus efficace, le moins fatigant. Alors qu'avec une machine, ces questions-là, déjà avec des outils à main, on peut se les poser sans trop de problèmes, parce que si on n'a pas la bonne position, c'est pas forcément très grave. Alors qu'avec une machine, si on n'a pas la bonne position, on se prend un retour et ça peut être vraiment très dangereux. On peut, un retour de scie circulaire, on peut, bon, avec les carters et tout ça, on risque pas trop de se couper une jambe, mais ça peut être vraiment. On peut se péter un bras par exemple si le retour est très violent. Donc en fait, le truc, c'est que la machine, elle est forcément plus forte que soi, quoi. C'est elle qui nous dirige et c'est pas le contraire. Alors qu'un outil à main, c'est une extension du corps. Du coup, on garde la maîtrise quand même, quoi. Quel que soit le mouvement qu'on fait, on se rend compte. Si on arrive à faire un mouvement qui soit agréable, bien dans notre rythme et tout ça. Alors c'est sûr que c'est plus fatigant parce que c'est plus long. Et encore, pas forcément. Hein, des fois, un bon outil à main bien affûté... Il suffit de le prendre, il est à côté, hop,
on en a pour 2 secondes, alors que la machine, bah, faut la régler, il faut la brancher, il faut trouver de l'élec et tout si jamais il n'y en a pas à côté. Enfin, tous ces petits détails-là, ça prend du temps, mine de rien. Et alors que bah, un outil à main, en plus, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus transportable. Top, top, top. On va sauter tout ça. Bah, continue là-bas. Ah bah voilà, c'est propre ça. Ah bah. Oh, bah dis donc. Alors, du coup, là, tu peux mettre un légèrement plus bas, ici. Dans le... à côté du... Ouais, ouais. À côté, ouais. Hop là, tu vois, il pète là. Ah, ouais. Alors, il faut faire, il faut y aller. Il faut l'attacher là, doucement. C'est pour ça que je me disais. Un peu plus haut, ça serait pas mal. C'est une des choses qui m'intéresse beaucoup aussi dans l'utilisation des outils manuels, parce que le son des machines, c'est un son qui est hyper violent en fait. Enfin, c'est agressif quoi. Les scies circulaires, ça fait des bruits très très stridents, il faut mettre des casques. Et puis après, il y a d'autres machines aussi, enfin, les cloueurs pneumatiques par exemple. Enfin, le rabot aussi, ça fait pas mal de bruit. En fait, à chaque fois que j'utilise un outil, sauf la perceuse, qui est un peu plus doux comme bruit, à chaque fois que j'utilise un outil électrique, moi je mets le casque, parce que sinon les oreilles, c'est vraiment agressif, quoi. Ça me plaît d'utiliser les outils à main parce que c'est des bruits qui ont absolument rien à voir. C'est pas du tout les mêmes. Alors ça peut être aussi un peu agressif quand c'est par exemple un marteau métallique qui tape sur un manche de ciseaux en métal aussi. C'est un petit peu aigu. Mais ce que j'aime moi en particulier quand c'est en chantier participatif, c'est que déjà je suis pas le seul à faire du bruit. Il y a plein d'autres personnes autour qui font tous des bruits différents et en fonction des moments du chantier. Et d'ailleurs, en fonction des moments du chantier aussi, il y a des fois où il n'y a pas de bruit du tout, parce qu'on est au piquage, on est sur des périodes où on est très précis, on est concentré sur des détails et tout ça, donc c'est du tracé là. Le tracé, ça peut prendre une journée entière, où ben, on est juste avec un fil à plomb, un crayon, un réglet, une équerre, enfin que des outils de tracé. Donc c'est tout calme, c'est tout tranquille, on discute, enfin on fait bien attention à ce qu'on fait, et donc ça fait un petit... Enfin, c'est pas un temps de pause parce qu'il faut être bien concentré, mais c'est un temps qui est pas très physique, quoi, où le corps quand même peut se reposer. Et ce qui me plaît dans tous ces bruits-là, c'est que je peux mettre, de l'intention dans le bruit. C'est un bruit de marteau, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est derrière le marteau qui tape. C'est quelqu'un qui est en train d'actionner la scie. Ce bruit, c'est un mouvement, c'est une personne qui est en train de faire ce bruit, quoi. C'est une extension du corps, donc c'est vraiment... j'entends les personnes qui agissent derrière le bruit de l'outil, quoi. Et le bruit de l'outil, il est vraiment, il traduit vraiment, vraiment le mouvement de la personne. Et donc, je peux presque me visualiser quel mouvement elle fait rien qu'en entendant le bruit. Et ça, moi, je trouve que ça donne du sens à tous ces bruits-là. Et je peux à peu près savoir où on en est dans le chantier en entendant les bruits. Quand je sais qu'il y a beaucoup de bruit de scie, bah tiens, là, on est en train plutôt de tailler des tenons et tout ça. Quand j'entends plutôt des bruits de marteaux, de ciseaux et tout ça, là, c'est plutôt des mortaises ou des ajustements, des choses comme ça. Quand j'entends des pop, enfin des bruits de choc sourds, c'est de l'ajustage de pièces entre elles, etc. Enfin, voilà, il y a en fonction des phases du chantier, je peux à peu près me dire, tiens, on en est là, bon, bah c'est bien, ça avance bien et tout ça. Ça a tapé dans un clou là ou quoi? Putain, ça a fait un mauvais bruit là. Je pense c'est qu'il y a des petites arêtes. Et puis les bruits, ben,
quand il y a un bruit qui est pas normal, eh ben ça s'entend tout de suite aussi. Ça, c'est quelque chose qui fait que j'ai pas besoin de regarder les gens. J'ai pas besoin d'avoir des yeux partout. Mais par contre, les oreilles, ça me dit, eh ben, ah, là, j'entends un truc. Hop, je vais tout de suite aller voir parce que il y a un bruit bizarre. Par exemple, je sais pas moi, un bruit de scie qui rencontre un clou, par exemple. Là, ça c'est pas le même, ça s'entend. Un bruit de marteau avec un ciseau qui fend le bois, mais qui fait une grosse fente, ça s'entend aussi. Donc, des détails comme ça. Et puis, les bruits des personnes qui font des mouvements qui sont saccadés ou trop rapides ou trop secs. Enfin, le chantier, c'est long, ça prend du temps. Donc, on est pendant plusieurs jours. Enfin, pour ceux qui viennent là plusieurs jours, c'est de l'endurance, quoi. Donc, ça sert à rien de se presser, d'aller vite et tout ça. Au contraire, il vaut mieux connaître le rythme de son corps et puis se caler dessus. Et donc là, on sait qu'en entendant ça, on sait que la personne, elle est dans un bon rythme et qu'elle va pouvoir continuer longtemps sans s'essouffler, sans se fatiguer, sans se stresser, sans se crisper. Et du coup, elle aura pas mal à la fin de la journée, quoi. Ce qui est sympathique, enfin, ce qui est vraiment sympa, c'est que quand on arrive à faire le bon geste, ça fait vraiment plaisir, quoi, parce qu'on sent justement qu'on se fait pas mal. On sent qu'on arrive à bien viser, que justement en utilisant un outil qui est très lourd, mais bien envoyé et bien avec le bon geste, on a l'impression qu'il est pas lourd et on a l'impression que c'est facile. C'est un mouvement qui est très méditatif presque, parce que une fois qu'on est lancé, on n'a plus envie de s'arrêter. Enfin, on voit le travail qui se fait, on voit qu'on y arrive bien, on voit que. Et puis c'est des sons aussi qui sont très agréables. Ben on continue. Demain, je pense qu'on va pouvoir assembler celle-ci là. Elle est pas loin d'être finie. Et puis continuer la deuxième. C'est les arbalétriers. Ça c'est un poteau encore. Ça c'est l'arbalétrier qui est là. Le lien qui est ici. L'autre lien qui est là. Et la lisse basse qui est là, et le deuxième poteau qui est là. Donc, il reste encore les enfourchements des poteaux à faire. Les deux, les mortaises à finir, là, et puis les deux tenons ici à faire. Donc, et puis, mortaises là. Ouais, demain, ce sera possible d'assembler tout ça. Ouais.